Chers amis, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 20 février 2020. 2-0-0-2-2-0-2-0. C'est joli ça, hein? Les chiffres 2-0. T'es waouh! Bref, nous les dans Saint-Jacques au chapitre 2 maintenant. Mes frères, dans votre foi en Jésus-Christ, notre Seigneur de gloire, n'ayez aucune partialité envers les personnes. Imaginons que dans votre assemblée arrive en même temps un homme aux vêtements rutilants portant une bague en or et un pauvre aux vêtements sales. Vous tournez vos regards vers celui qui porte le vêtement rutilant et vous lui dites « Assieds-toi ici, en bonne place !» Et vous dites au pauvre « Toi, reste là, debout !» Ou bien « Assieds-toi au bas de mon marchepied !» Cela n'est-ce pas faire des différences entre vous et juger selon de faux critères? Écoutez donc, mes frères bien-aimés, Dieu, lui, n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour en faire des riches dans la foi et des héritiers du royaume promis par lui à ceux qui l'auront aimé? Mais vous, vous avez privé le pauvre de sa dignité. Or, n'est-ce pas les riches qui vous oppriment et vous traînent devant les tribunaux? Ce sont eux qui blasphèment le beau nom du Seigneur qui a été invoqué sur vous. Certes, si vous accomplissez la loi du royaume selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous montrez de la partialité envers les personnes, vous commettez un péché. Et cette loi vous convainc de transgression. Parole du Seigneur. Pour méditer cette parole, je vous propose d'écouter « Quand nous mange de pain là », l'anamnèse de la messe 9h. Nous mange de pain là, quand nous boit la coupe là, nous célèbre le mystère, la foi, nous rappelle hautement, Seigneur ressuscité, et nous attend, qu'où revient vitement. Nous rappelle hautement, Seigneur ressuscité, et nous attend, ou reviens vivement. Nous rappelle-toi, Seigneur ressuscité, et nous attend, ou reviens vivement. Nous rappelle-toi, Seigneur ressuscité, et nous attend, ou reviens vivement. Soleil brille pour tout le monde pareil et l'air n'est pas rationné. Le soleil brille pour tout le monde pareil, c'est-à-dire que Dieu nous aime chacun de nous. Dieu nous aime tous, la pointe de plus grand, la pointe de plus petit, comme une fois m'avait dit, et me reprend un petit peu l'homélie du Père Laco, Jean-François, que dans une famille, il y en a quelqu'un qui en a bac plus 7. En psychologie, sociologie, anthropologie et tout ça. Et son frère jumeau, Nena, bac moins 3, Nena, un CAP de boulanger. Quelle différence entre les deux? N'a point de différence, parce que tout le monde Nena sa place dans l'amour de Dieu. Tout le monde a sa place aussi dans la société. Le gars que Nena, il est docteur S psychologie, là, à un moment donné, il a faim. À un moment donné, il faut qu'il mange. Et le boulanger, à un moment donné, quand il est trop opprimé par l'entourage, il a besoin de confier à lui, il a besoin d'évacuer, il a besoin d'être recadré dans sa tête, il a besoin d'avoir le psychologue. Et le psychologue, il a besoin de manger. Donc, du coup, un, il ne vaut pas plus que l'autre, parce qu'un a besoin de l'autre, l'autre a besoin de l'autre. S'il ne mange pas, il mord. S'il ne nourrit pas l'esprit, il déraille. Et du coup, faut pas faire de différence entre les gens, entre les enfants de Dieu. Tout n'est pareil. Tout n'est pareil. Et des fois, il arrive à nous à dire, t'es ben, la race maori, ben, il entend. Mais dit vraiment, les gens, ils connaissent. Les gens, ils connaissent. Les entortillés dans notre linge, tout ça.
Mais si ça se trouve là, un jour qu'on saura, ou va faire un accident, ou bien voilà, ou sera embêté, peut-être n'aura un avocat d'origine mauresse, va être là-haut. Hein? Faut pas croire. Et quand nous voit un petit maramai chinois, il dit, ouais, tu m'as regardé, tu maramai chinois. Si ça se trouve, ce sera lui. Ce sera lui ou docteur en ophtalmologie. Voilà la pointe de différence entre une famille riche et une famille pauvre. Il y a peut-être la différence au plan de vue social, mais comme il dit l'adage un petit peu, s'il nous coupe le bras, tout le sang, les rouges. Mais oui, le cœur de Dieu, il est pour tout le monde. Et chacun y évolue, il grandit dans son milieu. Ne peut pas imposer un papillon. Quoique non, papillon peut-être pas le bon. Mais ça ne peut pas imposer un papillon à nager dans la piscine. Non, parce qu'il a la brasse papillon. Ne peut pas imposer, je sais pas, notre animal, ne peut pas un chenille de nager dans la piscine. Peut-être qu'il va flotter, mais il n'est pas fait pour ça. Il est fait pour autre chose, tu vois. Il est fait pour aérer le bois, il est fait pour autre chose. Nous peut pas rendre l'homme égal ou bien à l'image de notre volonté. Et une phrase toute simple en fin de compte, mal à croire des petits gars dans le chemin, bien dans la cour d'école, les gars ont barré. Juste ça me dit, pourquoi il dit les gars ont barré? Les simples, parce qu'il veut que les personnes autour de lui, ils viennent avec lui. En fait, quand il dit allons barrer, c'est simple, c'est que nous veut que Banane ait le même mouvement que nous. Et s'il n'y a pas le même mouvement que nous, la tension devant. Et il me dit ça c'est simple, c'est au niveau scolaire, mais après, on a d'autres niveaux. Ce soir, que ça fait, on a bougé un coup, les gars, on a bougé. Peut-être les gars n'ont pas envie de bouger. Il dit, t'es ben, quoi la fête, tu bouges pas, ton madame défend, ok. Et là, en fait, nous l'a pour faire, nous l'a pour essayer de transformer notre personne. Par rapport à notre volonté, notre vision. Mais sachons simplement que tout le monde est pareil. Chacun, nous a notre valeur. Il y a nous des fois, quand au créole il dit, quand nous trouvons oreilles, nous vient couillon. Allez, ben, viens assis à ma table, viens boire une affaire. Si on dit Sarkozy, voilà, si Sarkozy revient à la réunion là, t'es ben. Hey, l'ancien président, viens haut, Sarkozy, un kilo mangue pour. Il passe l'autre côté, un peu fromage pour. Il passe l'autre côté, et voilà. Quand il me trouve aberrant des fois dans les salons, certains personnels, hein, salon de l'agriculture, quand le président il vient, il goûte toutes affaires, il goûte tout fromage, il goûte confiture, il goûte par ici, il goûte par là-bas. Et à moi, par exemple, si je me sens là-bas, là, si je me mets un doigt d'un peu confiture, là, mon Dieu Seigneur. Aïe, 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 le petit nègre, le petit nègre, là, le petit nègre, il a volé la confiture, là. On va le foutre, on va le tabasser, là. On va appeler les flics. La pointe. Et bien voilà, quoi, la pointe d'impartialité. La pointe d'impartialité. Du coup, aujourd'hui, faut nous changer. Enfin, ce que nous propose à nous, c'est de changer notre regard sur chaque personne, en disant que chaque personne, il a la lumière de Dieu en lui, et chaque personne, il apporte à nous ce que Dieu l'a peut-être pas encore donné à nous. Chaque personne, chaque petit marmaille crie, il fait mal à nos oreilles. Petit marmaille peut être un genou de brancardier, ou bien quelqu'un qui passe côté de notre case, qu'on a tombé dans le fond canal. Et c'est cette personne-là, cette femme-là, ce monsieur-là, que la fille grandit, que peut-être va dire, monsieur, l'arrivée à une affaire, ah, m'y connais à où? Ah, on la prend soin de moi quand j'étais petit. Hein, écoute, mes téléphones à SAMU, bien, viens, accroche à moi. Et par exemple, tout l'a fait du mal quand il était encore petit, là. Dit, te rappelle quand elle a fait du mal, quand elle a baisse coup de pied dans ma fesse, se rappelle, mais là, hein, la monnaie de la pièce aujourd'hui. Du coup, dans chaque personne, il y a quelque chose qui plaît à nous, et qui peut-être qui plaît pas à nous, mais en tout cas, il y a toujours de l'amour. C'est pour ça, Jacques Vergès, il était l'avocat des causes perdues, parce qu'il a dit comme ça, en fait, la journaliste a posé que, mais pourquoi, vous connaissez que l'accusé sera condamné à mort? Jacques Vergès, c'est comme ça. Il connaît qu'il sera condamné à mort, mais lui, c'est pour montrer la lumière qu'on a dans l'âme de cette personne. Et je me souhaite à nous aujourd'hui de trouver la lumière qu'on a dans l'âme de tout le monde qui entoure nous. Qui plaît à nous, qui plaît pas à nous, mais on va voir. Si nous avons le regard de Dieu, nous va trouver que toute personne a une dignité. Allez, nous retrouvons demain.